Coffee Break French, Season 3, Épisode 13. Salut tout le monde et bienvenue à Coffee Break French encore une fois. Cette semaine, nous sommes avec Katie. Et cette semaine, elle est tombée amoureuse de quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, elle va vous expliquer toute l'histoire. In this lesson, we'll be having a look at the conditional tense or the conditional mood, in addition to some other useful expressions and grammar points. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! So, as usual, we will begin by having a listen to Katie's text. We'll then pick up one or two of the language points contained in Katie's text. If you'd like a line by line analysis of the entire text, then you can use our extended version. You can find out more about that and the other premium materials at coffeebreakfrench.com. Okay, let's have a listen to Katie's text. Salut tout le monde, comment allez-vous? J'ai beaucoup de nouvelles cette semaine. Tout se passe très bien, surtout au café. Je vous explique pourquoi. Vous vous rappelez que le fils de M. Gérard faisait ses examens la semaine dernière Alors, il a repris son travail au café cette semaine. Vous n'allez pas le croire. En fait, c'est le jeune homme qui a fait un croche-pied au pickpocket à Nice-Étoile. C'est grâce à lui si je n'ai pas perdu mon portefeuille. Je n'avais pas eu l'occasion de le remercier. Mais maintenant, si, il est si sympa. J'ai travaillé mardi matin et mardi après-midi avant la classe de français. Et comme il pleuvait, il n'y a eu pratiquement personne dans le café pendant toute la journée. J'ai passé des heures entières à parler avec Jérôme. Il est si intéressant. Il fait ses études d'architecture à Nice et il est très calé. Il m'a expliqué les différents styles d'architecture autour du café au cours Saleya. Et qu'est-ce qu'il est mignon! Et sa mère travaille dans le cinéma. Elle est styliste, je pense, mais je n'en suis pas sûre. Mais je dois parler d'autre chose. Je ne vais pas vous ennuyer. Il est quand même trop mignon! Cette semaine en classe, nous avons parlé des emplois et du travail. J'ai pu dire aux autres que j'ai maintenant un emploi. Et Raquel veut connaître Jérôme aussi. Il faut dire que je ne sais vraiment pas ce que je veux faire à l'avenir. Ma mère m'a dit que je dois faire une année en Europe pour m'aider à me décider. Bien sûr j'adore tout ce qui est mode, les vêtements et tout ça mais je ne sais pas si c'est vraiment une carrière. Je travaillais avec Alf cette semaine, nous préparions une présentation à propos des carrières. Alf est très gentil. Il était prof d'anglais, et j'ai l'impression qu'il aimait beaucoup enseigner l'anglais. Peut-être que je voudrais être prof, moi aussi. Mais je préférerais être institutrice. Je préfère les petits enfants, parce que j'aurais peur des grands. Je vais peut-être en parler un peu plus avec Alf la semaine prochaine. Peut-être qu'il pourra me donner des conseils. Alors, je dois y aller. Je vais au ciné ce soir avec Raquel et je dois aussi aller au café parce que j'y ai laissé mon parapluie. Quelle coïncidence, hein? Je vous embrasse tous. À la semaine prochaine. long. Let's start to go through it and help you understand what she says. She begins by saying that she's got some news for us this week. J'ai beaucoup de nouvelles cette semaine. In fact, she says, I have lots of news. J'ai beaucoup de nouvelles. J'ai beaucoup de nouvelles. Tout se passe très bien. Surtout au café. Je vous explique pourquoi. Everything is going very well. Tout se passe très bien. And she says, especially at the cafe, surtout au cafe. She's going to explain why. In this next section, she's going to be talking about le fils de Monsieur Gérard. Le fils, the son, so Monsieur Gérard's son. As we know, he was doing his exams a couple of weeks ago. But he's now started back working in the cafe. Il a repris son travail au café cette semaine. Katie says, il a repris son travail. He has taken up his work again. From prendre, reprendre, to take up again. Il a repris son travail au café cette semaine. He started working at the café again this week. And there's something of a coincidence here, if you remember back to Katie's previous diary entry. En fait, c'est le jeune homme qui a fait un croche au pickpocket à Nice-Étoile. You may remember that Katie had her purse stolen at the Nice Etoile shopping centre in a previous entry. And when this happened, a young man tripped up the thief, and Katie was able to get her purse back. And it turns out that this man, this young man, is in fact Monsieur Gérard's son. En fait, c'est le jeune homme, that's the young man, qui a fait un croche-pied, who tripped up au pickpocket à Nice Etoile. So it's the young man who tripped up the, the pickpocket at Nice Etoile. So in fact, it's thanks to him that Kitty didn't lose her purse. C'est grâce à lui si je n'ai pas perdu mon portefeuille. And she hadn't the opportunity at the time to thank him. But now she has. And it turns out he is very nice indeed. Je n'avais pas eu l'occasion de le remercier. Mais maintenant, si... Il est si sympa. Katie goes on to tell us that she was working on Tuesday, both in the morning and the afternoon. And because it was raining, there was almost no one in the café during the whole day. So she took advantage of this to talk to Jérôme. J'ai travaillé mardi matin et mardi après-midi avant la classe de français. Et comme il pleuvait... Il n'y a eu pratiquement personne dans le café pendant toute la journée. Il n'y a eu pratiquement personne dans le café pendant toute la journée. Personne is used in a negative sense here, in that ne personne means no one, just like ne pas means not, and ne plus means no longer. So, il n'y a eu pratiquement personne dans le café. There was no one. Or there was almost no one in the cafe pendant toute la journée, during the whole day. Now we go into this ne personne in much more detail in the extended version. So Katie spent complete hours. She spent hours talking to Jérôme. J'ai passé des heures entières à parler avec Jérôme. Notice again, passer du temps à faire quelque chose. So you use a plus the infinitive to spend. Time doing something, literally to spend time at to do. J'ai passé des heures entières à parler avec Jérôme. J'ai passé des heures entières à parler avec Jérôme. And she says Jérôme is so interesting. Il est si intéressant. Il fait ses études d'architecture à Nice et il est très calé. So he's studying architecture in Nice et il est très calé. Calais means clever. So he's nice, he's interesting, and he's also cute. He's good-looking. She says, Et qu'est-ce qu'il est mignon. Mignon meaning cute or good-looking. Et qu'est-ce qu'il est mignon. Katie also says something about Jérôme's mother and where she works. Have a listen to this next section and see if you can work out. Et sa mère travaille dans le cinéma. Elle est styliste, je pense. Mais je suis pas sûre. So, this could mean that his mother works in the cinema. But in actual fact, Jérôme's mother works in cinema, not in the specific cinema, but in the concept of cinema. She works in cinema. In fact, she's a designer. Elle est styliste. But Katie's not quite sure. She'll no doubt find out more about Jérôme's mother as time goes on. And Katie doesn't want to bore us talking just about Jérôme. Mais je dois parler d'autre chose. Je ne veux pas vous ennuyer. Je ne veux pas vous ennuyer. I don't want to bore you. Ennuyer is to bore. She says that this week they've been talking about jobs and work in class. Cette semaine en classe, nous avons parlé des emplois et du travail. And since she now has a job herself. She was able to tell her friends and her classmates about this. J'ai pu dire aux autres que j'ai maintenant un emploi. As far as the future is concerned, l'avenir, literally the to come, l'avenir. Kitty isn't too sure about what she wants to do. She says, je ne sais vraiment pas ce que je veux faire à l'avenir. Literally, I do not really know That which I want to do in the future. Il faut dire que je ne sais vraiment pas ce que je veux faire à l'avenir. She's spending a year in Europe on her mother's suggestion. Ma mère m'a dit que je dois faire une année en Europe in order to help me to decide. Pour m'aider à me décider. Ma mère m'a dit que je dois faire une année en Europe pour m'aider à me décider. Katie really likes everything to do with fashion. She says, J'adore tout ce qui est mode, tout ce qui est mode, everything that which is fashion. Bien sûr, j'adore tout ce qui est mode, les vêtements et tout ça. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une carrière. But she's not sure if that's where her career aspirations lie. In fact, she was working with Alf this week, and she found out a bit more about his career. Je travaillais avec Alf cette semaine. Il était prof d'anglais et j'ai l'impression qu'il aimait beaucoup enseigner l'anglais. So, as we know, Alf used to be an English teacher. Kitty says, j'ai l'impression qu'il aimait beaucoup enseigner l'anglais. I get the impression that he really liked teaching English. And Kitty thinks that perhaps she would like to be a teacher. Peut-être que je voudrais être prof moi aussi. Notice that when she says perhaps I would like to be a teacher, she says peut-être que je voudrais être prof moi aussi. So peut-être has to be followed with a que when it starts a sentence. Notice also je voudrais. We know that je voudrais means I would like, but think of it in the sense of the conditional tense or the conditional mood to be exact. I would like. You're using the future stem of vouloir which is voudr and then adding the conditional ending je voudrais a -I, -S. I would like to be a teacher but in fact i think kitty would prefer to be a primary school teacher une institutrice she says je préférerais être institutrice another example of the conditional there je préférerais être institutrice why did she say this Mais je préférerais être institutrice. Je préfère les petits enfants parce que j'aurais peur des grands. She says, je préfère les petits enfants, I prefer little children parce que j'aurais peur des grands. Aurais another example of the conditional from avoir. J'aurais peur, literally I would have fear. she prefers small children because she would be scared of older ones she's going to speak to alf a little more about this week and perhaps he'll be able to give her some advice peut-être que peut-être qu'il pourra me donner des conseils perhaps he will be able to give me some advice peut-être qu'il pourra me donner des conseils and that's where Kitty begins to finish off her text. She says, "Je dois y aller. I have to go. She's going to the cinema this evening with Raquel." Alors, je dois y aller. Je vais au ciné ce soir avec Raquel. And there's something else that Kitty needs to do. Have a listen. Je dois aussi aller au café parce que j'y ai laissé mon parapluie. Quelle coïncidence, hein? so it seems that katie will have to return to the cafe because she thinks she might have left her umbrella there. j'ai laissé mon parapluie. quelle coincidence what a coincidence she just might have to see jerome again okay let's listen to the whole text from beginning to end one more time. salut tout le monde comment allez-vous j'ai beaucoup de nouvelles cette semaine tout se passe très bien surtout au café. Je vous explique pourquoi. Vous vous rappelez que le fils de M. Gérard faisait ses examens la semaine dernière Alors, il a repris son travail au café cette semaine. Vous n'allez pas le croire. En fait, c'est le jeune homme qui a fait un croche-pied au pickpocket à Nice-Étoile. C'est grâce à lui si je n'ai pas perdu mon portefeuille. Je n'avais pas eu l'occasion de le remercier. Mais maintenant, si, il est si sympa. J'ai travaillé mardi matin et mardi après midi avant la classe de français. Et comme il pleuvait, il n'y a eu pratiquement personne dans le café pendant toute la journée. J'ai passé des heures entières à parler avec Jérôme. Il est si intéressant. Il fait ses études d'architecture à Nice, et il est très calé. Il m'a expliqué les différents styles d'architecture autour du café au cours Saleya. Et qu'est ce qu'il est mignon? Et sa mère travaille dans le cinéma. Elle est styliste, je pense, mais je n'en suis pas sûre. Mais je dois parler d'autre chose. Je ne veux pas vous ennuyer. Il est quand même trop mignon. Cette semaine en classe, nous avons parlé des emplois et du travail. J'ai pu dire aux autres que j'ai maintenant un emploi. Et Raquel veut connaître Jérôme aussi. Il faut dire que je ne sais vraiment pas ce que je veux faire à l'avenir. Ma mère m'a dit que je dois faire une année en Europe pour m'aider à me décider. Bien sûr j'adore tout ce qui est mode, les vêtements et tout ça mais je ne sais pas si c'est vraiment une carrière. Je travaillais avec Alf cette semaine, nous préparions une présentation à propos des carrières. Alf est très gentil. Il était prof d'anglais, et j'ai l'impression qu'il aimait beaucoup enseigner l'anglais. Peut-être que je voudrais être prof, moi aussi. Mais je préférerais être institutrice. Je préfère les petits enfants, parce que j'aurais peur des grands. Je vais peut-être en parler un peu plus avec Alf la semaine prochaine. Peut-être qu'il pourra me donner des conseils. Alors je dois y aller. Je vais au ciné ce soir avec Raquel, et je dois aussi aller au café parce que j'y ai laissé mon parapluie. Quelle coïncidence, hein? Je vous embrasse tous. À la semaine prochaine. And that's where we're going to leave it for this week. Now, just a reminder that the members' version, the extended version of this podcast, runs to 34 minutes and we go through everything in great detail, including some further examples of peut-être que and also some further explanations of the conditional mood or the conditional tense. There's a full transcript of the text and written notes, which are available in our lesson guide, and that's in both PDF and EPUB format. So, you'll be able to use that on your computer or indeed on your iOS device, your iPhone, your iPod, your iPad, and so on. You can find out more about accessing all these additional materials at coffeebreakfrench.com. We will be back again soon with more French for you. In the meantime, comme d'habitude, merci beaucoup et à la prochaine! The podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com.